Voilà, donc bonjour, bonjour à tous, c'est Battlefield Hero et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une tour à mob. Voilà, alors je vais la finir là. Ouais, elle fonctionne super bien. Franchement, je suis assez content du résultat, dont la première au fait qui est juste derrière, cachée hein, par celle-là. Donc je vais vous la montrer. Qui est pas top. Parce que je trouve en fait les mobs ne spawnent pas hyper bien dedans. Je sais pas en fait pourquoi. Ils spawnent pas. Pas bien, enfin voilà quoi, il y aura beaucoup moins de loot dans celle là que en tout cas dans celle là alors comment j'ai fait déjà, c'est très très simple. Bon, alors je vais vous montrer. Hop. Hop. Donc voilà, donc là ici j'arrive dans ma petite maison, enfin hall si vous préférez, et alors je vais vous montrer donc le trajet d'un mob. Donc je vais le mettre en piste full et je vais donc prendre une hache et une pioche pardon, et je vais vous montrer donc ce que comment fonctionne ma tour à mob en tout cas. Donc ici donc les mobs spawnent sur des plateformes assez grandes hein, donc j'ai pas compté le nombre de cases, je m'en fous un peu. Alors en fait ils tombent hop ici dans un des courants, ils sont entraînés donc ici dans le coin, paf ils tombent ici, ils sont entraînés par le courant, ils arrivent là, paf. Donc ici, là c'est un séparateur entre araignées et mobs. Comme les araignées font deux cases, ils sont obligés d'être tués ici par le cactus. Hop. Et une fois ça, les mobs ils résisteront peut-être et pouf ils tombent et tous tombent dans la boucherie. Hop, et les loot arrivent ici. Vous voyez, donc là on a encore des petits mobs juste avant qui venaient de crever. Donc c'est très très simple hein, à faire. Donc, je vais vous montrer un peu en tout cas la base. Donc là ici normalement ici tomber sur quel coffre que j'avais mes loot, je crois que c'était celui-là. Ouais oui, ça c'est un petit temps normal hein. Donc là j'ai fait un sort de petit fauteuil pour bien voir des deux côtés s'il n'y a pas de mob. Alors après donc moi je sors de la tour à mob, de toute façon c'est en peaceful, et je vais vous montrer un peu le principe, donc comment faire en fait la base d'une tour à mob. Déjà vous devez vous procurer donc je sais pas moi, de la stone ou de la cobblestone, n'importe. Et vous devez faire donc des carreaux de 16 sur 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est juste la base hein, je dirais. Après à vous de... Parce que moi en fait le cactus et tout c'était pas dans les tours à mob classiques. Ça c'est moi qui l'ai inventé avec le cactus. Parce qu'en vrai les tours à mob classiques il y a 4 pièges avec de la lave. Moi en fait pour économiser en plus je n'ai fait qu'un seul. Hein, les pièges avec de la lave. Alors je vais ramener donc tout ça. On fait donc le carré. Donc ça va vous donner un truc comme ceci. Je vais prendre une Word Edit parce que j'ai envie en fait de casser en fait le carré ici, parce que franchement de casser ça, parce qu'en fait franchement ça devient franchement souvent. Voilà, bon soit, ça doit vous donner un truc comme ça à peu près hein. Je dis pas que maintenant c'est ce sera comme ça exactement chez vous, mais en tout cas normalement si vous voulez vraiment une bonne tour à mob, normalement ça doit être comme ça, un carré comme ça. Après pour les bases, donc sinon je vous conseille de vous reporter au tuto d'Arno00 qui sont super bien et que je trouve qui sont franchement ouais super bien. Alors donc commençons, donc on doit prendre donc toujours la solo etc. Et ici donc vous imaginez un carré et vous mettez à chaque fois donc le cube ici, donc à deux de diagonale. Pareil ici de ce côté là, deux diagonales je mets un cube, deux diagonales je mets un cube et deux de diagonale je pose encore de la stone ou de la cobblestone. Alors après donc on relie tous les quatre cubes qu'on a posés ensemble. A savoir que la grande pièce là en fait si vous préférez c'est la grande pièce en bois que j'ai ici hein.
C'est la même chose, sauf que moi je l'ai mis en bois, etc. J'ai un peu décoré l'intérieur. Sinon, vous pouvez le laisser vide. Alors moi, je vais vous montrer un peu avec mon avec le cactus, avec ma méthode avec le cactus, comment ça fonctionne. Donc déjà, vous allez boucher certaines allées. Donc, à savoir les deux allées là, on va pas en utiliser. Pas les utiliser. Donc vous pouvez les boucher ou importe, hein, mais on va pas les utiliser. Donc je mets de la dirt. Ici pour bien que vous voyez. Hein. Et de là, on va pas les utiliser. C'est juste les canaux là et les canaux là. Alors, on va se procurer un peu d'eau. Alors, comme vous le voyez, quand... Les panneaux aussi, tiens. Comme vous le voyez, quand je pose donc deux sources d'eau ici, et deux sources d'eau là, bon, je vais faire avec, hein. Tout se redirige en un courant d'eau infini, quoi. Donc, vous allez passer donc trois panneaux, enfin, quatre panneaux, je veux dire, comme ceci. Ça doit vous donner ceci, donc il doit y avoir trois ici, hein. Et vous allez creuser donc de 3 de profondeur. 2 de profondeur. 3 de profondeur. Voilà. Alors une fois ceci fait, vous allez creuser, 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 creuser. En fait, vous allez rediriger les deux canaux. Les deux canaux. Hein. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je vais mettre donc mes panneaux ici. Merde, bon, celui du milieu c'était pas nécessaire, bon ça fait rien. Hop, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Voilà, et je vais creuser jusqu'à rencontrer l'autre canot. Ah, voilà, je pensais que c'était plus long. Ah, j'avais déjà commencé à creuser, c'est vrai. Jusqu'à que ça se relie hein, comme ceci. Donc normalement quand vous avez fait ça sur 16, en général l'eau à chaque fois elle doit se croiser pile, c'est à dire il doit pas y avoir normalement un trou ici et l'eau s'arrête là, hein. Non, ça, c'est pas alors ça, vous avez mal compté là. Alors donc je vais mettre donc une source d'eau ici, une source d'eau là, pour que ça fasse donc un courant d'eau. Vous voyez que à chaque fois ça se croise pile, hein. Alors après vous allez refaire la même chose avec 3. Attendez, là, voilà. Paf. En fait moi je me suis pas compliqué la tête avec les courants d'eau. Oups, excusez-moi. C'est pas compliqué la tête avec les courants d'eau. Hein. Et un au milieu. C'est pareil. Mais bon ça fait rien. De toute façon, tout ça est redirigé en un même endroit. Alors ici après vous allez creuser encore 3 profondeurs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon il y a une grotte, pas de chance. Etc. Et vous allez faire votre canot là-bas avec le piège à mob classique. Alors après avec les cactus, avec le cactus, c'est tout simple. Vous allez prendre du sable et cactus. Vous allez le mettre là. Donc, hop, je creuse, je mets du sable. Et je mets mes deux cactus. Ah merde. Voilà. Pour ça je me disais bien, non, parce qu'en fait j'avais déjà posé, avant moi j'avais posé mes cactus, donc ça avait déjà stoppé le courant, donc j'avais, en fait j'avais pas remarqué que... Attends. Hop. Hop. Comme ceci, non, celui-là je m'en fous, on en a pas besoin. Celui-là non plus. Non plus. Voilà, donc en fait les araignées, elles, comme elles font deux cases, elles sont obligées soit de se cogner là ou soit de se cogner là ou soit directement, et elles sont, en fait elles peuvent pas, elles pourront pas passer ici et ici, et du coup elles seront obligées de mourir là avec les mobs. Eux ils pourront passer par contre là. Alors c'est pour ça, en fait, pourquoi faire un séparateur d'araignées, parce que je trouve les araignées elles meurent pas très bien dans le piège à mobs avec de la lave. Souvent elle monte au-dessus de la lave, hein, comme vous les voyez mourir, hein, elle monte souvent au-dessus de la lave, et elle, donc du coup le loot est perdu. Donc maintenant, comment faire ça? Mais en fait pour chaque étage, ça c'est le sous-sol, c'est-à-dire le dernier étage là où vont mourir les mobs. Hein. Alors maintenant, comment faire donc les étages là où vont spawner les mobs? Parce que là, il y a, dans cet étage-là, normalement il n'y a pas de spawn. Hein. Alors, c'est très très simple. C'est exactement comme avant. Vous allez creuser donc
un coin. Donc normalement en dessous vous verrez donc hein, vos sous-sol que vous avez creusé. Hein. Un autre coin. Et encore un coin. Oups. Ah, j'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà, donc ça doit vous donner normalement ceci. Voilà. Normalement, ça doit vous donner ceci. Alors, après, bon, c'est très simple. Bon, je m'imagine les murs ici. Hein. Ça, vous verrez bien comment en fait c'est fait. Alors, je mets de la stone, ou importe, hein, de la cobblestone ici, ça fonctionne. Je sais pas pour, par contre, c'est sur les briques, etc., ça spawn les monstres. Alors, j'ai pas trop voulu essayer parce qu'en fait, j'aurais été dégoûté en fait si ça aurait pas spawné sur les briques et trucs du genre. Et alors, je me serais cassé la tête à faire trois fois la même chose que je vais faire ici pour rien. Alors voilà, je vous conseille. Je sais pas, en tout cas si ça spawn, dites-le moi par des commentaires, ça serait quand même pas mal. Alors donc, ça vous donne ceci. Alors, ce que vous allez faire donc, c'est mettre un étage de 2 de haut à partir des coins. Donc, hop, hop, ça. Voilà, donc vous voyez, une sorte de plateforme de 2 de haut. Donc, comme ça, ils peuvent pas remonter sur la plateforme en fait. Et ici après c'est vraiment alors vraiment un jeu d'enfant. Franchement, après il y en a qui se cassent la gueule avec les courants comme moi je l'avais fait, etc. Vous placez des panneaux, comme ceci, hein, partout, en fait dans chaque coin. Hop, là aussi. Donc je vous conseille de faire ça en plusieurs fois, hein, parce que en une fois, il y aura moins de possibilités de spawn. Spawn, si vous préférez. Hop, donc voilà, donc j'ai fait ça sur les 4. Et maintenant, vous placez votre source d'eau à peu près vers le milieu, ça on s'en fout de toute façon. De toute façon, ici, il y a un courant d'eau stagnant, c'est normal. Hein. Ça, on peut pas corriger. De toute façon les mobs, franchement c'est rare qu'ils restent comme ça sans bouger sur place, à moins qu'ils soient vraiment bloqués. Des fois ils sautillent comme ça et ils tomberont quand même un jour ou l'autre ici. Donc hop, je place mes sources d'eau. Et voilà, rien de plus con. Alors les mobs spawn, ils tombent ici, pouf, ils sont entraînés par le courant, ils tombent là dans votre carré et après par la suite dans votre piège à mobs. Donc voilà, donc c'était vraiment une présentation assez simple et rapide de comment faire une tour à mob dans Minecraft. Donc j'espère que vous réussirez la vôtre et que ça vous fasse pas foirer, parce que ce sera vraiment quand même, vous serez quand même vraiment dégoûté, parce que regardez moi cette tour à mob géante là que j'ai mis à peu près 3 jours à faire, et il y a vraiment que dalle comme qui spawn. Alors ça me fout un peu la rage. Alors pareil ici, juste une dernière remarque, évitez de creuser ici vers le milieu. C'est-à-dire faire comme ça et relier les canaux là, là, là et là. Pourquoi? Il y aura plus de chances que les mobs tombent, mais il y aura moins de chances qu'ils spawnent. Parce que, au fait, plus la plateforme est grande et plus il y aura de chances qu'ils spawnent. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui se passait ici dans cette tour à mobs. Je vais vous montrer. Il n'y a strictement que dalle comme espace. Regardez moi ces petites plateformes de merde. Ah non, pas celle-là, pardon. C'était... en fait c'était pour rectifier. Donc j'ai mis quelques spawners quand même pour améliorer les chances, hein, mais franchement ça sera que dalle. Regardez, franchement une plateforme de comme ça, les mobs il y en a à peine un qui spawn dedans, hein, dessus, hein. Tandis que celle là ça dépend, 4-5 ou des fois beaucoup plus. Alors hop, si j'arrive à sortir, voilà, franchement c'est vraiment con à faire. J'espère que ça vous aura aidé, hein, et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre je t'aime. Oula, qu'est-ce que je raconte là? Qu'est-ce que je raconte? Et à mettre j'aime sur la vidéo. Merci, au revoir.